Un matin de printemps, c'est la création que je suis en train de travailler actuellement avec les 12 danseurs du ballet de l'Opéra Grand Avignon et les deux apprentis. En fait, c'est vraiment une balade chorégraphique sur un répertoire musical complètement différent. C'est un répertoire classique, donc au début du siècle dernier, début de ce siècle. Donc nous allons retrouver toute une palette de musique que le public connaît, Ravel, Debussy, Satie, Messiaen et notamment Boulanger, donc Lili Boulanger qui était et qui est donc une des rares femmes compositrices de cette époque. Elle donne le titre à cette pièce, donc d'un matin de printemps. L'idée, c'est vraiment celle de voyager cette musique et de pouvoir l'amener dans une contemporanéité, dans quelque chose qui est beaucoup plus subtil, je dirais, quelque chose qui fait voyager dans l'air d'aujourd'hui, mais avec une écriture chorégraphique qui est beaucoup plus contemporaine. On va voir un relationnel se tisser tout le long de la création, des tableaux qui sont plus abstraits, des tableaux qui racontent vraiment un peu la notion d'amitié, d'amour, comme un couple peut effectivement se rencontrer, comme il peut se séparer. Ce sont des arguments aussi qui font partie de cette création.